de ce protocole, Saint-Esprit, je t'invite. Tu m'as dit, Seigneur, que c'est la gloire la deuxième maison. Aussi, Seigneur, je veux que tu te manifestes, que tu te déploies. Je veux que tu disposes les cœurs. Je veux que tu touches les femmes dans le plus profond de leur être. Que tout ce qui est caché soit révélé. Saint-Esprit, je veux que tu travailles dans ces temps comme un scanner, que tu traverses les esprits. Que chaque femme ici, peut-être celles qui ne sont même pas encore arrivées, soit visitée. Amen. Soit visitée. Amen. Et quelle est la révélation de leurs problèmes? Et que tous ces problèmes ici soient, alléluia, qu'ils soient résolus. Que l'option de la restauration soit au rendez-vous. Que l'option de la délivrance soit au rendez-vous. Que l'option de la guérison soit au rendez-vous. Que l'option de la réconciliation pour les foyers privés soit au rendez-vous. Ce soir, de manière radicale des familles tout entières pour la délivrance et la guérison de notre nation. Merci Père, dans le nom de Jésus, car c'est à ce nom que nous avons reçu mandat contre les ténèbres. Et nous déclarons que dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, oh je sais que les démons entendent l'écho de nos voix ce soir, que dans le nom puissant de Jésus, les ténèbres se dissipent, que dans le nom puissant de Jésus, la lumière est claire, que dans le nom puissant de Jésus, les chaînes soient brisées. Toute chaîne de captivité, toute chaîne d'ignorance, toute chaîne de servitude, soit brisée. Toute chaîne de stérilité, soit brisée. Toute chaîne de souffrance, de rejet dans les familles, dans les foyers, soit brisée. Les chaînes qui maintiennent les hommes loin de leurs femmes, ces esprits qui les embrigadent, ces chaînes soient brisées. Nous proclamons le salut des familles, commençant par les chefs de famille. Merci Seigneur, parce que tu as décidé de revêtir tes servantes. Et nous croyons que l'onction se déploie déjà. Amen. Que la gloire et l'honneur te revient. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, les amis. Nous sommes dans la continuité. Alléluia. Je veux vous présenter ici des filles que Dieu m'a données, des filles spirituelles qui ne sont pas vraiment représentatives ce soir, mais qui sont là, qui font partie d'un mouvement appelé les filles de Naomi. Alléluia. Et pendant que je parle, elles commencent à faire leur entrée pour que vous puissiez les connaître, les saluer. C'est des femmes qui travaillent à côté de moi. C'est des guerrières, c'est des soldats. Tout ce que vous vivez, toute cette organisation, et non seulement l'œuvre de leur soutien, de leur disposition, de leur consécration. Alléluia. Et je veux également, avant qu'elle ne passe leur entrée, saluer toutes les bâtisseuses. Est-ce qu'il y a des bâtisseuses dans la classe? C'est formidable. C'est des guerrières. C'est des gens qui ont mis la main pour que nous puissions être là ce soir. Soyez bénis, les bâtisseuses en Christ. Alléluia. Alors que les filles de Naomi avancent. Brisez les chaînes.
chers parents et amis, chers ministres de Dieu, femmes de foi, femmes de prière, femmes de destinée, nous vous saluons dans le beau, grand et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous, filles de Naomi appelées Ruth, nous avons reçu du Seigneur la grâce d'avoir été sélectionnée pour être conduite sur la voie de notre destinée à travers des enseignements et des témoignages, des exercices pratiques dans les épreuves, afin d'être qualifiées par le Saint-Esprit pour être des instruments et des vases d'honneur. Entre les mains du Dieu vivant et puissant, l'Éternel des armées, qui a fait de nous une armée de plus à sa suite pour la fin des temps, pour dépeupler le royaume des ténèbres, pour délivrer les captifs et briser les chaînes. Alléluia. Tout cela sous le leadership et au beau soin rigoureux de celle que nous appelons affectueusement et dignement mère, en la personne de la prophétesse Edwige Ada Mbanangoy. En elle, nous trouvons une mère, une bergère, un mentor. Elle est notre Naomi. Auprès d'elle, nous avons développé, entre autres, une autre dimension de notre connaissance, entendant ici la connaissance de notre véritable identité en Christ. Et notre relation intime et personnelle avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et surtout celui qu'elle appelle son ami. Lorsqu'elle nous parlait de lui, ou lorsqu'elle nous parle de lui, quand je dis parlait, c'est durant la formation, lorsqu'elle nous parle de cette personne, elle parle de lui avec tant d'intimité, elle nous dit toujours, c'est mon ami. C'est son ami, c'est son guide, son conseiller, celui qui l'a conduit partout. Le consolateur divin, le compagnon fidèle de son ministère, le Saint-Esprit qui est présent ce soir. Alléluia! Et que mon mari n'était pas encore converti,
Le premier combat de guerrière, c'est sous son manteau que je les ai appris. Amen. Alléluia. Donc vous serez vraiment nourris pendant cette conférence. Alléluia. Donc sans elle, si vous regardez tout ce que j'ai donné depuis que je suis dans le ministère, c'est elle le champ de la branche que je suis. Amen. Elle a amené toute la famille à Jésus par sa persévérance. Amen. Donc le Seigneur veut vraiment t'honorer pendant ces temps. Amen. Elle a un ministère, la cellule, son ministère c'est la femme samaritaine. Elle s'occupe également de coacher les femmes dans le mariage et introduire certaines aussi dans le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'occupe des foyers également. Alléluia. Donc elle est vraiment là parce qu'elle a un message. Amen. Vous allez avoir l'opportunité de l'écouter parce que quand elle parle, elle dit des choses. Et le nom de Kumba. Voilà, vous avez écouté son témoignage. En résumé, elle va me le faire l'intégralité parce qu'elle fait aussi partie des événements. C'est ma fille spirituelle. Elle est née de la première édition pendant la tournée du Gabon et elle a persévéré. Son foyer a été sauvé. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle a été sauvée. Son foyer a été sauvé. Elle nous fera son témoignage. Elle est pasteur à l'église de Mont de Séduire de Port-Gentil aujourd'hui. Son mari, très incrédule aussi, est devenu chrétien. Ils servent ensemble dans le ministère. Ce soir également. Après, elle, vous avez également la prophétesse Prisca. Tu crois quoi? Je vais regarder la même scène qui a suivi son témoignage. Alléluia. Oui, elle a un témoignage également lors de la première édition de la tournée. Une femme fatiguée, chargée, stérile et à bon tribunal. Jésus l'a visitée. Elle a enfanté, elle s'est mariée. Elle est aujourd'hui servante de Dieu. Alléluia. Elle a un message pour les femmes. Son mari est un puissant médecin docteur qui l'accompagne dans le ministère. Elle a amené sa merveilleuse fille qui est une prophétesse. Amen. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, mais quand je la croise pendant les entretiens, parce que le bébé ne voulait pas sortir, le bébé a dit avec moi, je sais par qui la parole a été donnée. Que je reçois, et puis c'est la personne que je recevais, je vais faire elle, je dis, tu attends une fille, c'est une prophétesse. Amen. Elle est tombée dans l'esprit. Je dis, elle va bientôt sortir. Amen. Et puis elle a fait son témoignage dans la soirée. Amen. Donc elle a des choses. Amen. Oui, acclamez tout le monde. Après, vous avez Pascal Pamela, Bourbonneau. Vraiment, c'est une femme merveilleuse qui aime le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Par ici, j'ai la porte de Nicole Koumbassi. Qui est ma sœur de cœur. Une femme extraordinaire, une femme spéciale, unique dans son genre. Alléluia. C'est la mère du ministère de salut. Elle le gère avec son mari. Amen. Elle est toujours là quand je fais quelque chose. Amen. Elle est toujours avec ses enfants, c'est un petit peu. Amen. Donc, c'est collaboratif. Après, vous avez le pasteur As. Amen. Au Parmiquema. Alléluia. Son homme qui vient, c'est la femme pasteur. Ils sont pour l'instant à Issassa. Vraiment, c'est aussi une sœur de cœur. C'est des jumelles. On nous sommes des triples. Amen. Voilà, merci ma soeur. Après, vous avez le pasteur Mazela, Marial. Alléluia. Le ministère du Seigneur, qui est le ministère et messagère de Christ et de prière. Maison de prière. Qui est là ce soir, qui est avec nous. Sois béni, servante. Après, vous avez le pasteur Violette. Vraiment, lorsqu'on s'est vu, c'était des moments forts.
Alléluia. Merci Seigneur d'être là. Et vous savez, à côté d'elle, toute celle qui est pratiquement, je dis coach, c'est la prophétesse qui va être Mimi. Avec des gens de retraite. Vraiment que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez derrière la prophétesse Élisée. Alléluia. Vous voyez qui est responsable de la fondation des femmes. Cette femme travaille pour les femmes, elle travaille pour amener les femmes à la découverte de leur identité. Donc la fondation s'appelle Féminafort, c'est ça? Féminafort. C'est une femme merveilleuse qui est venue vers moi et qui m'a dit des choses vraiment extraordinaires. Vous savez, lorsque nous servons le Seigneur, nous n'imaginons pas quel point nous pouvons impacter les autres. Elle m'a dit, tu m'as impacté dans ma jeunesse et je t'ai pu servir le Seigneur. J'ai toujours rêvé de faire comme ça. Puis vous parler de la bâtisseuse. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé la parole? Lisons-la ensemble. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus dit dans le verset 24, celui qui écoute cette parole, il parle premièrement, il a commencé à parler, il parlait aux disciples, aux pharisiens. Il dit ceci, quand vous lisez depuis le premier chapitre, vous allez comprendre réellement cette conversation ou cette parole, cet enseignement que Jésus donne. Alléluia. Il dit premièrement au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Alléluia. Amen. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai directement, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Dans une autre version, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, verset 24, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Dans une autre version, sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. À ce verset, nous ajouterons le proverbe 14, verset 1 qui dit « La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. » Voyez, Jésus parle, il dit que celle, je parle ici parce que nous sommes des femmes, celle qui écoute sa parole et la met en pratique, je suis en train de vous définir c'est quoi la femme bâtisseuse, donc la femme sage. Donc celle qui met, éteignez vos téléphones s'il vous plaît, pas d'esprit de distraction, celle qui met cette parole en pratique et qui vraiment la conserve et la respecte, ressemble à une personne qui a construit sa maison sur le roc. Alléluia. Et comme la maison est construite sur le roc, quels que soient les vents, les tempêtes et tout ce qui peut bousculer, vous imaginez, quand il y a des intempéries, quand il y a des vents violents, alléluia, quand il y a des intempéries, des vents violents, vous voyez comment la tempête peut bousculer les fondations d'une maison. Nous avons déjà vu les maisons s'ébranler en pleine tempête, n'est-ce pas? C'est soit parce que les fondations n'ont pas été solides ou elles étaient prêtes à tomber en ruine. Mais ici, il s'agit des personnes qui en fait qui construisent sur les mauvais fondements. Ici, je veux parler du fondement. Si nous bâtissons nos vies sans le fondement qu'il faut, sans Jésus-Christ, c'est des vies qui ne peuvent pas tenir face aux tribulations, face aux attaques du diable. Parce que Jésus est le rocher, il est le fondement sur lequel une vie doit être bâtie. Et la parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu.
la Bible parle de nous de temps en temps comme étant des maisons. Alléluia. C'est d'abord une maison spirituelle. Avant d'aller construire une maison, en parlant de la famille, il faut d'abord bâtir son homme intérieur. Et cet homme intérieur se bâtit par la parole de Dieu. Donc Jésus dit de faire appel ici à la sagesse. Alléluia. Parce que c'est l'insensé qui construit sur le sable, c'est-à-dire sans fondement solide. Et c'est à cela que ressemble beaucoup de vie aujourd'hui. C'est à cela que ressemble beaucoup de foyers aujourd'hui. C'est quoi la sagesse? Une bâtisseuse est une femme sage. Une bâtisseuse est celle qui, comme je disais, fonde sa vie sur le Seigneur et construit avec des matériaux solides. Et les matériaux dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu, accompagnée de la crainte de Dieu. On peut avoir la parole, mais sans la pratique et sans la crainte de Dieu, ça ne pourra pas servir à bâtir une vie. Alléluia. Donc il faut faire appel à cette sagesse que la parole de Dieu nous donne. Christ est la source de la sagesse. C'est quoi une femme sage? Comment définir une femme sage? Alléluia. Une femme sage, par définition, une personne sage, c'est quelqu'un qui agit avec modération. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un qui, en temps de crise, sait aller chercher le conseil de Dieu. C'est quelqu'un qui ne fait pas, en fait, qui ne renverse pas. C'est l'opposé de la femme insensée. Une femme sage, quand elle a une situation difficile, ne va pas d'abord se mettre à aller parler, raconter ou réagir de manière émotionnelle. Je dis toujours, le plus grand ennemi de la bâtisseuse, de la femme qui veut bâtir, ce sont ses émotions. Les émotions, c'est les sensations, les pulsions qui nous poussent à poser des actes insensés. Quand on parle d'être insensé, en fait, c'est manquer de bon sens. Manquer de bon sens, c'est manquer de sagesse. La différence entre la femme sage, c'est que si la femme sage rencontre une difficulté dans son foyer, d'abord, elle est revêtue de la crainte de Dieu. En Christ, elle est remplie du Saint-Esprit. Donc, elle a la révélation de Christ, de la personne du Saint-Esprit. En situation de crise, elle fait une expertise spirituelle de la situation. Parce qu'elle est une femme de prière. Parce qu'elle est dotée de ce qu'on appelle l'esprit prophétique. Et j'aime à le dire que chaque femme en Christ est une femme prophétique. Vous savez, lorsque Dieu a créé la femme en Éden, il a fait quelque chose de la femme. Ça n'engage que ma révélation avec le Saint-Esprit. Mais je le crois fortement que quand Dieu a dit à Adam qu'il fait une aide semblable, il a réellement réfléchi à quel type de personne pouvait aider l'homme à conduire le monde. Il était question de conduire et de gérer le monde. Il était question que ce couple soit des piliers d'une multitude de peuples. Donc Dieu devait les former à être le bon parent. Et alors quand il a fini de créer, Adam s'est retrouvé dans un jardin. Il a regardé autour de lui, il y avait toute forme d'animal. Il y avait de tout genre. Mais la Bible dit qu'il ne se retrouva pas. Quand la Bible dit que Adam était triste, Dieu dit que l'homme était triste. Et il dit qu'il n'est pas bon. Regardez dans l'expertise ou dans le diagnostic, le constat de Dieu, qui connaît toutes choses. Dieu a voulu premièrement qu'Adam désire, parce que dans Genèse 2, dans Genèse 1er, on dit que Dieu créa l'homme et la femme. Donc spirituellement, les deux étaient déjà existants. Mais Dieu a d'abord créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme devait d'abord apprêter le territoire. Et l'homme devait ressentir le besoin. Après avoir fini de donner les noms à chaque animal, il s'est retrouvé perdu, seul, parce que dans sa nature et son espèce, il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Je suis en train de dire à une femme, aussi longtemps que ton mari, l'homme qui t'appartient, ne t'a pas trouvé, il est triste et il est troublé. C'est spirituellement que je le décrète et je le dérange de son sommeil. Oui, la Bible dit qu'Adam n'avait pas trouvé de vis-à-vis. Il n'avait pas trouvé un être en qui il reconnaissait sa nature, son semblable. Il pouvait regarder les animaux. La gazelle avait la bouche comme ça, avec les oreilles comme ça. Le lagonon,
pouvez avoir toutes les corps que vous connaissez de tous ces animaux-là, n'est-ce pas? Parlant des femelles, il a tout regardé. Il a dit non, même parmi toutes ces femelles-là, il n'y a pas bon vis-à-vis. Alors Dieu vit qu'il était triste parce qu'il recherchait quelqu'un qui pouvait l'accompagner, avec qui il pouvait parler, avec qui il pouvait communiquer, avec qui il pouvait garder ce grand jardin riche, béni, avec tout ce qu'il fallait. Je dis que Dieu est un Dieu, un véritable architecte. Dieu a tout créé, les arbres avec des fruits.